Je suis professeur de français et je suis linguiste et je suis doctorant à l'Université de Montréal au Canada. Ah, vous habitez au Canada? Pas actuellement. Je suis chercheur invité à l'Université de Docuzeiru et j'enseigne le français et la linguistique à l'université. D'accord. Pour quelle raison parlez-vous français et quel a été votre premier contact avec les langues françaises? Bon, mon premier contact, c'était au lycée de Galatasaray. Je suis diplômé du lycée de Galatasaray. Donc, j'ai fait la connaissance du français dans les années de... quand j'avais 11 ans. Et depuis là, je suis diplômé de l'université d'Istanbul, département de littérature. Et après, maintenant, j'ai fait mon doctorat et je suis en train de rédiger ma thèse à l'Université de Montréal. Quel est le sujet de votre thèse? Moi, je travaille sur la communauté turque de Montréal et leurs enjeux linguistiques, disons, leurs problèmes qu'ils ont vécu pendant qu'ils apprennent le français et les langues en contact. C'est ça. Mm-hmm. Quelle est la place de la langue française ou de la culture française dans votre vie? Bon, moi j'adore la musique française, donc j'écoute beaucoup de musique et aussi la littérature française. Et pour pratiquer le français, bien sûr en Turquie c'est pas très facile parce que c'est pas toujours dans la vie, il n'y a pas beaucoup d'environnement francophone. Donc avec nos amis de lycée, nous avons créé un groupe de WhatsApp où on parle que du français. Et donc comme ça, nous essayons de pratiquer, parce que dans ce groupe-là, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des ingénieurs qui n'utilisent pas du tout le français pendant leur vie professionnelle, mais ils sont aussi, comme moi, passionnés du français. Donc c'est pour ça qu'on a créé un groupe de WhatsApp, c'est ça. D'accord. Vous rêvez en français? Parfois oui, surtout quand je suis au Canada. Ça m'arrive parce que quand on est dans un environnement francophone, complètement francophone, ça m'arrive parce que je m'habitue à penser en français. Donc, ma mère me parle en français, mon père me parle en français pendant mes rêves, ça m'arrive, oui. D'accord, merci. Merci à toi.